amis vierges, nous allons regarder ensemble l'énergie de fond qui va être la vôtre pour ce mois de juillet. Alors, au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, on se sert du tarot de Marseille pour connaître l'énergie de fond. On y va tout de suite avec vous. Ah, le jugement. Ben, dites-moi, vous n'y allez pas de même honte. Alors, le jugement, c'est le réveil des morts. C'est le retour à la vie. On vous appelle, on vous réclame, on demande votre présence pour un changement. Alors ici, avec le jugement, évidemment, c'est la fin d'un temps pour un autre temps. Ici, de nouvelles opportunités, certainement une régénération. Mais c'est aussi un important changement de vie, là. Hein, peut-être que quelque chose arrive à sa fin, ici, et que vous allez faire votre examen de conscience, en fait. On vous offre une nouvelle chance, une occasion de pardon, une récompense par rapport à vos efforts. Ça va contribuer évidemment à votre futur, mais les événements vont s'accélérer ici. Donc, on peut dire que les Vierges vont vers une toute nouvelle situation que l'on va venir explorer avec la première semaine de ce mois de juillet et le petit Lenormand. Alors, pour les Vierges, que va-t-il se passer qui soit aussi important, puisqu'on nous annonce quand même le réveil ici, la résurrection, les changements importants. Donc, vraisemblablement, pour les Vierges, ça va bouger. Hein. Normalement, c'est plutôt positif. Hein. Hop là, on la remet. Il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir. Alors, nos amis Vierges et leur première semaine du mois de juillet. Ah ah ! Waouh ! Regardez-moi ça. Ici, pour les Vierges, il semblerait qu'il y ait une situation avec un ex-partenaire, avec des rencontres plutôt éphémères, avec une histoire de triangulaire qui s'est jouée pour vous. Visiblement, ici, ça ne va pas être la même chose. Parce qu'ici, le jugement vous dit que les paramètres vont changer. Donc, si vous êtes dans une situation de règlement de compte par rapport à une histoire antérieure, on peut dire ici que vous risquez d'avoir été malmené, d'avoir été trahi. Vraisemblablement, une histoire compliquée et vraiment douloureuse ici. Regardez comme ce serpent regarde le chien. Nous pouvons presque voir ce qu'elle est en train de penser. Ici, elle dit, tu vas payer pour ce que tu m'as fait. Tu vois le jugement qui est là. Eh bien, je vais juger la situation. Je vais te dire comment tu m'as traité. Et je vais te dire maintenant comment moi, je vais traiter la situation qui nous occupe tous les deux. Trahison, manipulation, mensonge de la part d'un compagnon, d'une compagne, ici, ça va se régler. Ça va se régler de façon, je vais dire, importante, puisqu'on nous parle peut-être même d'officialisation de changement. Donc ici, on va faire appel à des hommes de loi. C'est le jugement, ici. Et vraisemblablement, on va activer le système, je dirais, légal qui concerne une union, un partenariat qu'on a eu et pour lequel on veut se désengager. Deuxième semaine pour nos Vierges, deuxième semaine du mois de juillet après cette annonce fulgurante. Les Vierges, quand elles se mettent en route, c'est qu'elles ont déjà tout étudié en amont et elles vont vers ce qui est le plus important. Donc, on va voir comment va se passer la deuxième semaine pour nos Vierges maintenant qu'elles ont activé le jugement. Et regardez, le serpent revient. Et encore, l'ex, et on coupe, hein. Et on coupe et ça va faire mal, hein, je vous l'ai dit, les Vierges, quand elles se mettent en route, il ne faut pas leur jouer la sérénade, hein, c'est trop tard. Alors, ici, on nous dit que par rapport à cette situation,
par rapport à ces mensonges, ces manipulations, vous allez être plus intelligente et vous l'êtes, Vierge, parce qu'on le sait. Vous, quand vous faites les choses, c'est que vous avez étudié tous les points importants de la situation. Et ici, il va y avoir un courrier qui va être envoyé. Et ce courrier va nous parler de la situation qu'on vient d'évoquer. Donc, du jugement, de la séparation, de la décision qui concerne une union ou un partenariat. Je vois bien, hein, amis Vierges, hein, ce courrier que vous avez en réception ou en envoi, il veut vous parler de votre situation de famille et votre situation légale. Il y a là une notion de discuter avec une administration. Alors, ça peut être un tribunal, ça peut être un avocat, ça peut être se désolidariser d'un Pax, la mairie ou la préfecture. Bref, ici, on nous dit qu'il y a des échanges avec cette administration, des courriers qui sont en attente d'envoi ou de réception qui vont vous permettre vraisemblablement d'avoir une discussion posée sur la suite des événements que vous voulez donner à votre couple. Ça chauffe pour les Vierges. Allons voir sur la troisième semaine. Pour ce mois de juillet, ici. Alors, notre mois de juillet est la troisième semaine des Vierges. Oh, vous avez vu? Elle est encore là. Hein? Mais là, il y a la clé. Donc, on arrive vers les situations qui sont posées, les situations où l'on va solutionner la problématique que l'on a rencontrée. Ici, on voit bien que le compagnon, la compagne est tournée vers le passé. Ici, avec l'arbre, on vous parle de famille, de généalogie, de situation qui était là depuis un moment, qui grandissait, qui était stable. Alors, ici, c'est ce chien qui est concerné. Le chien, c'est l'ami, c'est le compagnon, c'est le proche. Alors, vous pouvez discuter avec la famille hein, sur la situation qui vous amène sur cette troisième semaine à vous préoccuper de votre union, de votre partenariat, de votre association, de cette relation où vous êtes engagé avec quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, on va parler de ça. On va prendre des décisions importantes qui concernent un homme ou une femme importante dans votre vie avec des décisions qui seront aussi financières. On nous parle de stress, d'angoisse par rapport à un changement que l'on élabore ou qui se met en route. Effectivement, ce n'est pas parce que l'on souhaite le changement qu'on est vraiment imperméable à tous les bouleversements qu'ils vont apporter. Donc ici, le stress et l'angoisse par rapport à ces changements sont tout à fait logiques. Mais on vous l'a dit, le jugement est là, il n'arrive jamais pour rien. À la quatrième semaine pour nos amis Vierges. Voyons un petit peu comment vous finissez le mois de juillet vis-à-vis des décisions que vous avez entreprises et ce que l'oracle va nous dire pour vous. Regardez-moi ça. On dirait que je ne les brasse pas les cartes. C'est incroyable. Et encore la clé derrière avec les oiseaux. Ça me plaît ça quand l'oracle il est bien en phase avec vous, avec moi. C'est magique. Donc, je vous l'ai dit que les solutions se profilaient. Hein. Il y a encore de la discussion à avoir. Là, vraiment, on est au cœur du sujet par rapport à un compagnon, une compagne, par rapport à quelqu'un qui est engagé avec nous. Et ça touche notre émotionnel. Hein. Alors, ça peut être tout à fait une situation professionnelle où votre émotionnel est engagé parce que vous travaillez avec une personne proche en qui vous aviez confiance, qui était pour vous un ami, qui était quelqu'un d'important. Mais ici, dans le cadre vraiment de la situation d'union, on nous parle encore une fois d'une action que l'on va mener par rapport à un tribunal, une administration. Alors, ça peut être en suspens ici. C'est comme si on vous disait, de toute façon, là, l'action ne peut pas être entamée parce que c'est tard, il va falloir attendre, il va falloir patienter. Et en effet, cette situation d'attente et de patience par rapport à une administration qui viendrait mettre son grain de sel dans cette union, dans ce partenariat ou cette association, ça va vous permettre de discuter avec l'autre des solutions que vous pouvez envisager.
Mais attention, ce n'est pas des solutions pour se remettre ensemble, ce n'est pas des solutions pour arranger l'affaire. Non, non, c'est des solutions qui vous préoccupent pour continuer cette procédure, ce processus que vous avez entamé de libération. Ici, on peut même vous parler d'apprendre de nouvelles choses qui se sont passées dans votre dos et qui renforceront votre intime conviction d'aller au jugement ici, parce qu'on nous parle quand même de trahison répétée, on nous parle de conflit, on nous parle de tension. Donc, il se peut que dans cette attente par rapport à cet investissement que vous avez fait près d'une administration, vous risquez de monter en pression parce que vous allez en apprendre toujours et toujours. Vous savez ce qui se passe quand on est dans une situation de séparation, c'est là que les langues se délient et c'est là que les gens parlent. Effectivement, on l'a vu avec un tel, on l'a vu danser, on l'a vu sortir sans toi, on était au courant et c'est là que la pression monte et va renforcer votre intime conviction d'avoir été trahi, manipulé, blessé et de sortir de cette situation. Donc, c'est certain, ça va être un petit peu bloqué sur ce mois de juillet. Vous n'allez pas pouvoir accéder à tout ce que vous désirez. Certainement, des vacances par rapport aux administrations. Mais ici, ça n'entame en rien votre décision de mener à bien ce jugement. À très vite!